Dans les années 1580, deux groupes de colons débarquent d'Angleterre vers le Nouveau Monde dans le but d'y habiter. La colonie s'installe donc sur l'île de Roanoke, dans la Caroline du Nord actuelle, sous l'organisation de Sir Walter Raleigh, favori de la reine Elisabeth Ière, et tente de coloniser durablement ce que l'on appelle alors la Floride espagnole. Les deux colonies sont les premières à s'installer dans la région, et pourtant ce n'est pas ce statut qui les rendra célèbres. Ni le fait que, quelques années plus tard, un certain John Smith se fera sauver la peau par une certaine Pocahontas. En fait, l'une de ces deux colonies va mystérieusement disparaître 3 ans après leur arrivée, et 118 hommes, femmes et enfants vont se volatiliser, faisant de cette anecdote un des plus grands mystères historiques. Quelque temps après l'installation sur place des futurs habitants, le gouverneur White, qui était chargé à l'époque de l'organisation de la colonisation, voit qu'il y a une mésentente grandissante entre ses compères et les tribus locales, et il décide de retourner en Angleterre afin d'aller chercher des vivres, plus d'armes et des ressources en hommes, afin de mieux combattre. Parce que, étonnamment, les Indiens ne cessaient pas prendre leur maison docilement. N'importe quoi. John White part donc en laissant ses compagnons sur place, et il reviendra 3 ans plus tard, en 1590. Sauf que, à son retour, il retrouvera un campement totalement désert. Dans un premier temps, on suggère l'hypothèse d'une tribu locale décimant tout le village, comme c'était parfois le cas, mais aucun corps ni aucune trace de bataille n'est retrouvée sur les lieux. Une colonie de plus d'une centaine de personnes qui disparaît mystérieusement et sans laisser aucune possible explication, forcément c'est étrange, et on a cherché à résoudre cette énigme sans se douter qu'elle allait devenir un des plus grands mystères de la colonisation. Précipité par son retour en Angleterre, White n'aura pas le temps de collecter trop d'indices, si ce n'est la présence d'un mot gravé sur plusieurs arbres. On fit rapidement le rapprochement avec l'île de Croatan, à quelques pas de leur campement, et l'hypothèse courante de l'époque était que la colonie avait pu se faire enlever par une tribu et capturer sur l'île avant une possible exécution. Mais voilà, sans aucune trace des corps et sans explication plausible, cette histoire devient vite confuse et sujette à de nombreuses théories. On a donc envisagé l'hypothèse d'un possible métissage entre les colons et les peuples locaux. 50 ans après leur disparition, un groupe ethnique nommé les Lumbees est retrouvé dans la région. Et fait étonnant, ils pratiquaient le christianisme. En 1891, des voyageurs rencontreront à nouveau ce peuple et noteront qu'ils semblaient parler un anglais datant d'au moins 3 siècles et que leur nom ressemblait à ceux des colons. Cela étant, les anthropologues et historiens n'ont rien pu certifier ni valider cette hypothèse, le territoire étant trop petit à l'époque pour accueillir autant de villageois, et sa crédibilité est fortement contestée. Des tas d'autres théories se sont ajoutées et ont épaissi un petit peu plus le mystère. On parle tantôt d'autres métissages avec d'autres peuplades, d'un possible sabotage de la part d'un ennemi de White, comme le propose l'anthropologue Lee Miller, d'un départ vers d'autres terres, qu'il se soit perdu en mer, qu'il soit mort de faim, ou encore que cette colonie n'ait en réalité jamais existé. Tout n'est que mensonge. Bref, c'est le gros bazar, et plus les théories s'enchaînent sans être validées, plus la légende est alimentée. Si bien qu'en 2004, une équipe de vaillants archéologues décide de s'attarder sur le sujet en créant la First Colony Foundation, dans le but de tirer au clair ce mystère. En 2012, la fondation emprunte au British Museum une carte de l'époque dessinée par le gouverneur White pour l'étudier de plus près, et leur découverte va s'avérer à la hauteur des plus grands films d'aventure. À l'aide des outils d'études actuels, on remarquera des traces cachées, dessinées à l'encre invisible et suggérant la présence d'un fort dissimulé dans la carte. Cet indice de taille relança les spéculations, et sa présence ignorée jusqu'ici suggéra donc la présence d'un fort à l'intérieur des terres, à 96 km de l'île de Roanoke. Les colons disparus auraient pu s'y réfugier pour une raison inconnue. Les symboles cachés avaient déjà été remarqués par les premières équipes chargées de l'examination de la carte, mais à l'époque, le conseil d'administration du British Museum n'avait pas forcément fait le rapprochement entre les deux histoires, et ils avaient juste considéré les traces comme de simples marques que le gouverneur White aurait cherché à cacher par minutie. Immédiatement, des équipes d'archéologues sont envoyées sur les lieux afin d'examiner le site X, comme on l'appelle, et leur instinct se confirmera puisqu'après 3 ans de fouilles, plusieurs artefacts uniques et anciens ont été retrouvés, qui auraient pu être utilisés par les anciens membres de la colonie. Même si le bon sens pousse les chercheurs à ne pas poser de conclusion définitive, ils en sont quasi certains, ils ont bien retrouvé des restes appartenant à l'ancienne colonie.
Pourquoi autant de certitudes? Tout simplement parce que les objets trouvés sont uniques, recentrés autour d'un même périmètre, et n'ont été retrouvés nulle part ailleurs. Autre indice, le nombre et la qualité des artefacts suggèrent une continuité dans l'utilisation du site pendant un certain temps. Cela étant, ce mystère est encore loin d'être résolu. Selon les fouilles, seulement une poignée d'individus vivaient sur les lieux, environ une dizaine, ce qui est loin d'expliquer ce qui est arrivé aux autres membres, ni ce qui a poussé une colonie entière à se réfugier dans des terres hostiles. Les fouilles archéologiques continuent donc, et le mystère commence seulement à se résoudre. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre l'émission sur YouTube, ça me fait vraiment super plaisir. Si cette histoire vous a plu et vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à la partager sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment chouette. Et vous pouvez toujours me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Vous pouvez également aller jeter un coup d'œil à ma page Tipeee si vous voulez soutenir l'émission sur le long terme. En attendant, je vous dis au revoir et à très vite pour de nouvelles aventures.